Par contre, les tirs, ça gâche tout le plaisir. Hein. Franchement. Où est-ce qu'il est? Ouais. Ah, il y en a partout. C'est pas plus grand, hein. Non, mais bon, après je peux le couper aussi. Oui. J'ai appris à grandir. Ah, j'ai trouvé un cep.
Bon, désolé, je viens d'allumer la caméra et les gens viennent de commencer les travaux. Voilà, j'ai nettoyé l'allée. Nous sommes le 17 octobre. Voilà. C'était trop, hein. C'était trop pour moi. Donc, j'ai nettoyé l'allée. Il faut que demain je fasse aussi le nettoyage de toutes ces feuilles sèches. Je vais voir demain ou après-demain, enfin dans la semaine, je vais essayer de le faire. Le cabanon là-bas, l'abri de bois, il est déjà quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les tuiles. Ouais, le potager. Oh, les pots, je les ai déplacés. Vous voyez, le pot de thym, je l'ai mis là-bas. Le pot des aubergines, je l'ai mis là-bas, côté du rosier. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça. Un autre pot de... Là, c'est le compost. Et un autre pot d'aubergine, j'ai mis à côté de... Je sais plus quoi, le truc du Mexique, là. Voilà. Ici, nous avons nos... Comment ça s'appelle? Œillets d'Inde. Qui sont très très jolies. J'aime beaucoup ces fleurs. Voilà. Les fraisiers commencent, enfin commencent, continuent de pousser. Hein. Il y a toujours des fraises. Je les enlève. Je vais faire un tour tout à l'heure. À moins que j'en ai vu une ou deux là. Ah, elle n'est pas très mûre encore. Mais parce que le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui les bouffent en fait. Bon, c'est pas très mûr. Hein. Et on va voir si je vais pouvoir la manger. En fait, il y a des bestioles qui viennent les manger. Ça m'énerve. Voilà. Puis là. Bah, les salades, ça a du mal à pousser. Hein. Là, c'est la mâche. Là, c'est la roquette, on la voit à peine. Et là, c'est la litue. La litue, ça va plutôt. Ah oui, là, j'ai planté les grosiers à maquereau rose, celui-ci. Et là-bas, parce qu'il faut 1,20 m d'écart entre les deux. J'ai planté le rosier à maquereau blanc, celui-ci. J'aime tellement ça. On verra si ça va pousser, j'espère en tout cas. Ah, le temps, il est là. On va aller voir ce que j'ai planté aussi aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous allez voir toutes ces branches là. Oh, c'est terrible. D'ailleurs, voilà l'abri de bois. Le sol est quasiment terminé. Il reste un petit peu à faire. La barre de renfort est posée. Là. Et puis là, voilà, en fait, c'est tout ça que j'ai dû enlever. C'est énorme comme racine. J'ai bien bien galéré. Elles sont énormes. Et là, dans le sac, il y en a aussi. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà ici. Qu'est-ce que j'en ai là? Déjà ici, j'ai attaché l'arbre qui sortait dehors. Donc là, il est accroché, attaché. Là, j'en ai accroché l'autre. Et puis ici, oh, il y en a tout le monde qui s'est mis à faire du jardinage. On a un petit oiseau là qui saute. Donc en fait, c'était ici, je vais essayer de vous mettre avant et après. Donc c'était ici ces grosses racines là, énormes. Donc du coup j'ai planté on a acheté comment ça s'appelle? Mince. À chaque fois j'oublie son nom. Hibiscus. Voilà. Hibiscus violet comme ça, mauve. Et il y a peut-être quelques fleurs, je vais vous montrer. Là, il y a des petites fleurs. Là, et là, c'est le rosier, le laurier rose qu'on nous a offert, que j'ai planté là aussi, du coup, parce qu'il y avait des gros trous, il fallait les boucher. Ben, j'aime pas, en fait, ce vide, et du coup, j'ai planté tout ça. On verra bien si ça va y aller. J'espère qu'il y a assez de distance entre les deux. Et puis là, il y a un autre arbre, je sais pas ce que c'est, c'est pas un arbre, c'est un petit arbrisseau, enfin je sais pas comment on dit, un petit buisson que j'ai accroché au mur parce que en fait il y a
vis au mur. Bon, on s'en va parce qu'il y a trop de bruit là d'un coup. Je sais pas ce qu'est-ce qu'ils ont pris de faire tout ce bruit là d'un coup, tous en même temps. Le tulipier, regardez comment il est beau. Tout jaune, des jolies feuilles jaunes, magnifiques. Et donc, il y a des fleurs là qui apparaissent. Donc, on verra bientôt en... avec les fleurs ouvertes. Ça va être sympa. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de travail. Ah oui, d'ailleurs, pour vous montrer aussi où nous en sommes avec nos... nos petits buissons aussi qu'on avait fait, notre haie, future haie. Ça pousse plutôt bien. Voilà. Ça pousse pas vraiment en hauteur, ça pousse plutôt en largeur, notamment celui-ci, là, le rouge. Et les autres, bon, ça va petit à petit, ça avance un petit peu. Voilà. Donc je suis contente, il y a pas mal de travail de fait. Et je vais montrer aussi l'hypomée, comment il a bien poussé. Là, c'est ce qu'on a ramené de la forêt. J'ai décidé de faire une petite déco ici, comme ça, que ça pousse dessus. Et donc, hypomée. Elle est là. Je crois qu'elle a fini de fleurir. Voilà. Enfin, fini de pousser, en fait, mais elle continue de fleurir. On voit des feux, là, des fleurs. Celui-ci, le rosier, il faut que je le traite parce qu'il continue à être bouffé par les bestioles. Par contre, là, il donne toujours des petites pousses, donc ça va bien. Et puis là, l'hypomée. Et je vais vous montrer un petit rosier aussi, j'ai oublié de vous montrer celui qui nous a été offert, en fait, lors de la crémaillère. On nous a ramené un petit rosier que j'ai planté aussi, là où j'ai planté les autres. Allez, on revient. Des petits, il est là, tout petit. Bon, on verra aussi si ça va pousser, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai planté, je crois que c'était ça. Oui, ils sont toujours là. Les muguets, ils sont toujours là. Bon, on verra bien. Voilà, et puis il y avait aussi des cailloux de meulière, enfin les pierres meulières qu'on avait trouvées dans la terre lorsqu'on a creusé notre potager. Bah, je les ai mis au pied d'un buisson parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Soit on les jette, soit on les garde pour faire de la déco. Pour l'instant, ça va être ça, la déco. Bon, il n'y en a pas assez pour en faire. Moi, je voulais faire tout le tour de buisson. Pour l'instant, ça va être ça. Mais bon, ça va plutôt pas mal. Et là, j'aimerais faire un truc. Je sais pas, je vais faire un essai. Je vais vous montrer si j'y arrive. J'aimerais, en fait, ranger les outils dans une palette. J'ai vu ça. En attendant qu'on fasse décrocher tout ça, parce que j'en ai marre. Il y a les outils de jardin qui sont partout. C'est mal rangé, c'est dégoûtant. Puis là, mon chéri, donc, il a fait un peu l'azur sur le bois. Donc là, il a travaillé tout ça. C'est sympa. Voilà, il y a l'orchidée là-bas. Je ne sais pas si on voit. Voilà, elle est là, la petite. Et puis, ouais, il a bien traité le bois. Il reste encore à faire des choses, mais bon. Voilà, et la palette, elle est ici. Donc, j'aimerais en faire un truc. On verra bien si j'y arrive. Ici, il y a toujours ce trou qui m'énerve. Je vais peut-être mettre un dragon ici, on verra. Tout ce qu'on a trouvé aux encombrants, je vais utiliser. Parce qu'il ne se vend pas, alors. Et puis là, donc ici, c'est des pots avec magnolia. Je suis pas du tout sûre que ça va pousser, mais bon, j'ai testé quand même. J'ai gardé les graines que je vais mettre aussi... dans la cave, parce qu'il faut qu'ils soient au frais pour pouvoir les planter l'année prochaine, ou voilà. Et là, c'est notre petite campagnole qui donne des petites fleurs en mauve comme ça, toutes jolies. Comment elle a commencé à sortir du pot, je sais pas, elle est serrée ou je sais pas, mais en tout cas, bon, elle a l'air de s'y plaire. Voilà, bon, voilà de quoi je vous ai parlé. J'ai mis ce dragon là, on verra sur la charrette là. Je sais pas si ça rend joli. Bon, on verra avec le temps. Mais j'en avais ras le bol de ce trou en bas, là. Voilà, donc... le dragon, il est tout abîmé, donc il se vend pas. Il y a un trou dans l'aile, là. Et puis, en bas aussi, il est bréché. Voilà. Gardien de la maison. Bon, finalement, j'ai changé. Là, je vais mettre ça. Les arrosoirs, je vais les
caché ici. J'ai enlevé ce pot pourri qui était là. Et le dragon, je l'ai mis là. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Je pense que c'est plus sympa. Comme ça, il accueille les gens quand ils arrivent. Voilà. Et le chariot, bah, je vais l'utiliser pour autre chose. Donc, soit pour les plantes, soit je sais pas. Mais je pense que pour les plantes plutôt. Et là, donc, prochaine étape, ça va être nettoyer encore le bain, le banc, nettoyer la fontaine et nettoyer cette balconnière. Et pourquoi pas aussi le, tiens, comment ça s'appelle? Le barbecue. On verra bien. Il y a du travail, hein. Encore mieux, je trouvais que c'était plus sympa comme ça. C'est plus rangé. On verra. Il y aura peut-être encore des changements. Regardez, j'ai décidé de mettre aussi ici un oiseau. Je le trouve pas si beau que ça, mais bon. Je pense qu'il va être bien ici. Après, s'il se vendra, bah, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, il va rester là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors voilà comment ça se présente actuellement. Normalement, on va mettre des crochets pour organiser tout ça, mais en attendant qu'il y ait des crochets, j'en ai un peu marre. Donc je vais ranger un peu avec la palette qui est là. Je vais vous montrer après ce que ça donne. À toutes. Voilà ce que j'ai pu faire. C'est toujours pas ça, hein, mais c'est mieux que c'était. Donc là, la palette. Dedans, j'ai mis, comme vous pouvez voir, tous les petits outils en fait qui rentraient, qu'on puisse ressortir facilement, parce que sinon, en fait, à cause du plafond ici, on peut pas les facilement retirer. Le panier avait des crochets, donc je l'ai accroché là. Du coup, il est maintenu un peu par ce bidule là. Là, c'est les trucs électriques, donc la taille A et puis la, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Et là au sol, en fait, vous voyez, c'est les briques qui nous ont resté encore et que j'ai mis là. Voilà. Donc tout le jardinage est ici. Ici, c'est que des boîtes, tout ce qui est Karcher, machin truc. Et puis en fait, au fond, c'est tout ce qu'on n'utilise pas vraiment. Donc il reste quelques-uns d'outils qu'on utilise qui sont encore dans le potager. Mais bon, je pense qu'il y aura assez de place pour les mettre là. Et puis ce truc vert, il va s'en aller bientôt. Voilà. Bon bah pour l'instant c'est comme ça. C'est mieux que c'était, je pense. Déjà on peut y accéder un peu et voir un peu plus clair quand même. Voilà. Et aussi j'ai acheté sur le site Greenwiz. Je crois que c'était 15 euros et plus les frais de livraison, il me semble. Ce sont des champignons. Je vous montrerai le résultat et les champignons quand ils poussent. Je vous mettrai une vidéo séparément. Donc vous allez voir comment j'ai fait pour les planter. J'avais envie de tester, de faire les champignons de Paris à la maison. J'adore les champignons. Voilà, donc à voir le résultat. Alors, j'ai acheté aussi les tulipes que j'aimerais qu'on plante. Je ne sais pas quand, il faut voir, mais je pense que maintenant on peut les planter, hein. Donc, j'aime beaucoup celui-là, il est très joli. Et puis celui-ci aussi, lune de miel, très joli. Et les pétales comme ça, un peu. J'allais dire ébréché, éclaté, enfin je sais pas, un peu louche, un peu, j'adore. Et puis celui-ci est très élégant. Et les groseilliers à macro, bah, on va changer de place, on va les mettre devant. Là, mon chéri, il est en train de faire, parce qu'en fait, il a dit que il veut pas que ça prenne de la place dans le potager. Donc là, il est en train de creuser, là, juste devant. On va en mettre deux là-bas. Bah, je pense qu'il va bien galérer, parce qu'il y a la dalle qui a été collée à côté. Bon, on verra le résultat après.
là, c'est planté. Bon, on verra comment ça va pousser. En tout cas, ici, j'ai mis Honeymoon, donc la lune de miel, tout autour de ce buisson, comme ça. Tac. Il y aura des blanches. Ici, il y aura des tulipes rouges. Il y en aura une qui va être là, parce que bon, j'ai pas eu assez de place. Et là, il va faire le tour, comme ça. Je sais pas comment il s'appelle, celui-là, il est un peu compliqué de nom. Pieter Deleur. Je sais pas. Voilà, donc il y aura un petit parterre de fleurs. Et puis on verra si ça pousse bien ici. Ben, je mettrai peut-être quelque chose aussi là-bas, peut-être d'autres tulipes. Le rosier, il est là pour l'instant, ça va. Je me dis que j'aurais pu le mettre contre le mur, en fait, j'avais même pas réfléchi. J'aurais pu le mettre là-bas. Bon, on verra, c'est un mini rosier donc. Et puis là, on va aller voir ce que mon amoureux a planté. Qu'est-ce qu'il a fait avec les groseilles à macro. Donc, il les a plantés là. Ouais. Voilà, il y en a un là et un là. Bon, bon, on verra bien. Il n'y a pas 1,20 m entre les deux. Hein. J'espère que ça va pousser. T'as pas fait 1,20 m entre les deux, hein? Tu penses que ça suffira en place? J'espère aussi. Si on était au bord là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu sortir la voiture et là il va falloir qu'on fasse attention. Bon bah écoute, hein, j'espère que ça ira. Vas-y, il est où le blanc, il est où le rouge? Voilà, c'est fait. Le jardinage terminé pour ce matin. Voilà. Tu elle a bien poussé déjà. On voit bien les feuilles. Bon, et les mauvaises herbes aussi à côté, on va les enlever. Par contre, la roquette, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a été bouffé ou... Mais bon, elle est toujours là. Voilà. Et puis la mâche aussi, hein, difficile à voir. Je sais pas où est la mâche, où est les mauvaises herbes. Ça, c'est compliqué. On verra.